Alors, qu'est-ce qu'on a? Une tarte aux pommes et au salami. Bon, c'est qui a fait cette tarte, là? C'est celle de Baptiste. Oh, oui, je m'en doutais. Merci, Baptiste. Oh, allez, mais c'est pas possible! Elle est où, cette affiche? Oh, c'est la cata, c'est la cata! Loli, tu l'as pas vue, toi? C'est mon affiche de grenouille, tu sais, mon crush! Désolée, Rocky, je n'ai rien vu. Mais elle est juste magnifique! Je voulais la mettre en déco au-dessus de mon lit, histoire de m'endormir avec elle tous les soirs. Oh, oh, alors, Lily, tu l'as retrouvée? Je crois bien, Rocky. Oh, non! My God, mon affiche, toute broyée! Ça veut dire qu'elle reviendra jamais! Je suis trop dégoûtée, Lily! Pourquoi? Oh. Oh, tu crois qu'on va trouver une solution? Je crois pas, j'en suis sûre! Écoute, c'est déjà l'heure du... colis mystère! Le colis mystère, il est nulos aujourd'hui. Oh, si c'est comme ça, je vais me coucher, moi. Mais attends, Rocky. Il y a au moins l'indice avec moi. J'ai besoin de toi. Allez, ça va être fun. Oh, bon, d'accord, d'accord. Vas-y, donne-moi l'indice. Tiens. Vivre une deuxième vie. Bizarre comme indice. Je sais pas, moi, c'est peut-être un déguisement. Tu sais, se déguiser, c'est un peu comme une deuxième vie. Mais ouais, grave! Comme quand je me déguise en astronaute et j'imagine que je suis dans ma fusée et tout. Et si c'est pas un déguisement, c'est peut-être juste un masque! C'est vrai qu'avec un masque, t'as aussi l'impression d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Ou alors, Rocky, c'est ton affiche de grenouille! Elle est de retour pour une deuxième vie! Oh, mais oui, Lily! C'est sûrement ça! Oh, vite, 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 on ouvre! Attends, Rocky, on demande quand même aux amigos ce qu'ils en pensent. Ah oui! Alors, dans le colis mystère d'aujourd'hui, c'est... un déguisement, un masque ou l'affiche de Rocky? Oui! La seule manière de le savoir, c'est d'ouvrir! Allez, let's go, Lily! Avec nous, les amigos! 3, 2, 1, on ouvre! Alors, Lily, vas-y, c'est quoi? Ouvre! Rocky, je vais jamais réussir à ouvrir si tu continues! T'as pas un message pour les amigos en attendant? Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Les amigos, restez bien avec nous jusqu'au bout. À la fin de l'épisode, on vous dira qui est l'amigo du jour. Et ce sera peut-être toi aujourd'hui. Oh, je le crois pas, c'est mon affiche. Oh, ma petite grenouille. Oh, donne-la-moi, Lily. Donne-la-moi. Oh, viens là, ma petite grenouille. Que je te fasse un gros câlin. Bonjour, toi. T'étais où? Génial! Grenouille est de retour et bien entière! C'est comme si elle avait une deuxième vie! Du coup, je me demande si le thème du jour, c'est pas... la réincarnation! Gagné, Lily! La réincarnation, les amigos, c'est le fait de renaître dans une deuxième vie, en gros! Ah ouais, du genre, avant d'être Rocky, dans une autre vie, j'étais peut-être un pirate qui trouvait plein de trésors! Oui, c'est ça! Certaines religions, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, pensent que l'on peut vivre plusieurs vies. On peut se réincarner en quelqu'un d'autre, mais aussi en animal, en plante... Ah ouais, ou même en insecte, genre en coccinelle! Oui, c'est une croyance très ancienne. Évidemment, personne ne sait si ça existe vraiment. En tout cas, ça a marché pour ma petite grenouille. Mais Lily, se réincarner et vivre une deuxième vie, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Des fois, si tu tombes dans la lave, tu meurs et puis hop, tu recommences une nouvelle vie, quoi! Super comparaison, Rocky! T'as tout compris! Si vous voulez, on peut faire un petit jeu. Réincarnation. Et les amigos peuvent aussi jouer chez eux. Oh mais ouais, carrément, Loli! Let's go, je suis méga ready! Ouais. C'est quoi comme jeu, Loli? Le jeu s'appelle « Si tu étais ». Première question. Tu choisirais quoi si tu étais un oiseau? Moi, c'est sûr, ce serait un aigle pour voler au-dessus des arbres et foncer où je veux. Regarde, ça doit être fou. Oh, mais oui, c'est trop toi, Lily, je te reconnais. Et moi, ce serait un cacapo. C'est un perroquet hibou. Un cacapo? Je crois que t'inventes, la Rocky. Mais pas du tout, j'invente pas, regarde. Ah ouais? Il est super stylé, le cacapo, j'adore. Bon, le seul problème, c'est qu'il sait pas voler. C'est un peu bête pour un oiseau. Tu m'étonnes. Tu sais quoi? Précieuse Sophia a répondu à la question sur Roblox et elle dit qu'elle aimerait être un cheval. Oh, trop d'accord avec toi, Sophia. Vas-y, Loli, une autre question. Tu choisirais quoi si tu étais un animal sous-marin? Oh, un dauphin! Ils sont juste magnifiques! En plus, j'imite trop bien le dauphin. Enfin, je pense. Moi, si j'étais un poisson, j'aimerais bien être un poisson clown. Ah ouais? Et oui, il est juste trop cute. Oh. Et en plus, il reste toute sa vie dans la même anémone de mer. C'est juste dingue, quoi. Et vas-y, une autre, Loli.
Tu choisirais quoi si tu étais une plante? Oh là là. Moi, je serais une rose, super belle, mais attention, avec des épines si on m'embête. Ah oh, mais ouais, trop bonne idée. Moi, je serais une plante carnivore. Mais mon plante continuerait de me régaler. Et Neila, sur Roblox, elle nous dit qu'elle, elle aimerait se réincarner en plante pour pouvoir rester au soleil et danser sous la pluie. Oui, trop vrai. Allez, une dernière question, Loli, c'est trop bien comme jeu. Ok. Tu choisirais quoi si tu étais n'importe qui? Ah ouais, carrément. Pas facile comme question. T'as une idée, toi, Rocky? Mais, oui, je pense que j'ai une petite idée. Ce serait juste parfait. Rocky, en jury de concours de tarte, t'imagines? La vie de rêve. Les amigos, la vie de juge de concours de tarte est une vie pleine de voyages et d'aventures. Aujourd'hui, je juge un concours de tarte chez les collègues de la RTBF à Liège. L'année dernière, le résultat était giga serré. Et regardez ça, je suis super classe, hein, pas vrai? Bon allez, on y va, le devoir m'appelle. Boire chocolat, c'est méga chic. Alors, on va goûter ça. Oh, délicieuse. Je vais mettre 4 sur 5. Et je valide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une tarte aux pommes et au salami. Bon, c'est qui a fait cette tarte, là? C'est celle de Baptiste. Oh, oui, je m'en doutais. Merci, Baptiste. Mais, mes amigos, vous savez, je suis tellement un pro que cette tarte-ci, j'ai même pas besoin de la goûter. Je peux la juger juste en la regardant. Bah, oh non, Rocky, il faut tout goûter. Oh, bon, d'accord, je goûte. Alors... Oh là là, oh, oui, ben, d'accord, ça goûte exactement ce à quoi ça ressemble. Original, mais pas ma préférée, quoi. 1 sur 5, sorry Baptiste, mais j'apprécie la prise de risque. Bon, suivante. Waouh, je veux pas m'emballer, mais je crois que c'est la tarte de mes rêves. Regardez ça, c'est une tarte au chocolat avec des donuts par au-dessus. Oh, j'adore. Et je mets 5 sur 5 direct. Coucou, petite tarte. Alors, tu viens dire bonjour à Rocky? Waouh, la vie de juge de tarte, c'est tellement imprévisible. Bon, je vais checker mon planning. Alors, c'est quand mon prochain concours? Mais oui, je suis carrément beaucoup trop demandé, moi. What? Je ne crois pas, les amigos. J'ai été invité à juger un concours de burger. Mais c'est trop génial. Mais oui, je suis tellement fort en juge de tarte qu'ils veulent de moi sur d'autres plats. Rocky, Rocky, réveille-toi. Reviens sur Terre, Rocky. Je crois que tu faisais un super rêve. Oh mais oui, Lily, je faisais un rêve incroyable. J'étais jury d'un concours de tarte, t'imagines? Et donc, j'avais trop envie de goûter la tarte, tu vois. Oh mais le rêve de dingue. Moi, c'est sûr, si je suis réincarnée en jury de concours de tarte, c'est le top. Et toi, Lily, t'avais répondu quoi, Loli? Moi, j'avais dit que je voulais me réincarner en pâtissière. Du genre, meilleure pâtissière du monde, quoi. Du coup, tu pourrais goûter toutes mes recettes, Rocky. Et vous, les amigos, vous choisiriez quoi? Dites-nous tout en message et envoyez-nous plein de dessins. On adore! Oui, et ce sera peut-être toi, l'amigo du jour, comme Donatienne. Trop la classe! Et très réaliste, ton dessin, Donatienne. Et j'adore le fond avec le petit chat. Mais oui, les oiseaux sont juste waouh! Et toutes ces couleurs! Merci, Donatienne! Oh quoi déjà? C'est passé beaucoup trop vite aujourd'hui. Eh oui, car c'est déjà l'heure de... La Corée de Rocky et Lily. Ça te donne un petit style, Loli. Et je t'ai mis le micro, donc c'est quand tu veux. Merci. J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse. Oh. L. O. O. L. L. I. I. C'est moi, Loli. C'est moi, Loli. C'est moi, c'est toi, Loli. C'est moi, c'est toi, Loli. Oui, ça va, on a compris.